Bonjour. Le Bitcoin consolide toujours aux alentours des 20 000 dollars. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, une fois de plus, j'ai encore pas mal de choses à vous dire, donc j'ai dû sélectionner pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais on va quand même faire le tour de 2-3 petites choses assez intéressantes. Donc, sans plus tarder, on se dirige vers la cryptomap. Et comme on est lundi, bien évidemment, on regarde la cryptomap de la semaine. La cryptomap de la semaine est plutôt bien verte. On a certains altcoins qui ont pris des 20, 30, 40, voire même un peu plus, comme Lune 48% et Compound 46%. Alors, cela peut signifier deux choses. Soit tout simplement un petit rebond, vu que les alts, ils ont pris vraiment très cher ces derniers temps. Donc, c'est normal qu'ils rebondissent beaucoup plus fortement que le Bitcoin. Ou, tout simplement, ça peut être un signal également de bottom, ou en tout cas de bottom très proche. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il y a, on va dire, deux sortes de bottom. En général, soit quand il y a bottom, soit le Bitcoin, il repart tout seul pendant un certain temps, et les alts suivent après. Ou alors, et ça en général, c'est plutôt des bottoms, on va dire, intermédiaires, donc de petites corrections. Mais sur les gros bottoms, généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Bitcoin va atteindre plus ou moins son bottom, il va y avoir une sorte de consolidation, de long moment comme ça de consolidation, et les alts vont en profiter, eux, pour pump un petit peu chacun de son côté, petit à petit, pas trop tous en même temps. Vous voyez, par exemple, si on prend la cryptomap du jour, vous voyez qu'on a du rouge partout et aujourd'hui, bah, c'est Lunk qui a pump. Hier, il y en avait un autre. Demain, il y en aura peut-être un autre. Et en fait, c'est quoi tout ça? Eh bien, c'est tout simplement une stratégie des gros portefeuilles. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils posent un bottom, mais ils continuent à instiller la peur. Donc, comment? En gardant le Bitcoin assez bas sans le faire pump. Vous voyez, vous avez du 20, 30, 40, 50%. Le Bitcoin, il a pris quoi? J'en sais rien, 10%. Enfin, je sais pas, j'ai pas été voir le nombre, mais en gros, grosso modo. Donc, il a vraiment... il n'a pas trop pump, il était au 17 000, il est retourné aux alentours des 20 000, et là il fait quoi? Depuis quelques jours, une semaine, il stagne autour des 20 000. Et donc, il continue à instiller la peur sur le Bitcoin. Vous voyez que sur le CryptoFear, on est toujours à 12, hein, donc ça fait maintenant, je sais pas, assez longtemps quand on est entre les 8 et les 12, donc dans l'extrême peur, pour que les gens n'aient pas acheté des altcoins. Puisque les altcoins ont pris très très cher, et la peur est toujours là, est toujours à son paroxysme. Donc, quand les gens ont très peur, ils ont plutôt tendance à vendre, ils ont plutôt tendance à attendre des nouveaux plus bas, et donc ils vont sûrement pas rentrer dans les altcoins. Voilà, ils attendent des gros signaux du Bitcoin de retournement haussier pour recommencer à rentrer dans les altcoins. Eh bien, les gros portefeuilles, eux, ils en profitent pour accumuler discrètement, petit à petit, sur les altcoins. C'est pour ça qu'on voit un altcoin qui pump par-ci, par-là de temps en temps. Et quand ils auront bien fait leur course, eh bien, seulement à ce moment-là, ils referont démarrer le Bitcoin en ayant acheté tous les altcoins à ceux qui craquent, qui capitulent. Et voilà, en ayant bien rempli leur panier. Et ensuite, voilà, ce sera forcément les grands gagnants. Alors, je ne dis pas que c'est ce cas de figure, je dis juste que c'est un cas de figure possible que j'ai déjà vu pas mal de fois sur des bottoms ou même des bottoms intermédiaires. Voilà, donc CryptoFear, on a vu, hein, toujours au 12, on ne va pas s'attarder dessus. Le dollar, pas grand changement depuis la dernière fois, bien évidemment, une petite bougie rouge pour démarrer la semaine. Donc, ce n'est pas spécialement bullish, mais ce n'est pas non plus bearish, hein, peut-être juste une petite consolidation. Nous, ce qu'on veut, c'est deux choses. Bon, déjà, c'est aller casser ce plus bas, ça, c'est, et puis au passage, avant peut-être même cette petite trendline, ce sera déjà peut-être un premier signe. Mais ce qu'on veut avant tout, vous le savez, c'est retourner la tendance. Une tendance qui, d'après la théorie de Do, se détermine par des hauts toujours plus hauts, des bas toujours plus bas. Et pour l'instant, c'est ce qu'on a. Donc, on est clairement en tendance haussière. Donc, nous, on veut renverser cette tendance. Donc, on veut voir des bas plus bas et des hauts plus bas. Donc, vous voyez, là, on a fait un haut plus haut. Donc, la chute ne suffira pas. Il faudra rebondir. Hein, je sais que je vous le dessine à chaque fois, mais il faudra... après une chute, peu importe si on va là ou plus bas, mais rebondir et faire un haut plus bas. Voilà. Et là seulement, on aura un retournement de tendance. On aura bien un haut plus bas et un bas plus bas. Et là, on repassera en tendance baissière et on pourra espérer une correction plus importante.
Voilà, mais tant que ça, c'est pas fait, voilà, il n'y a rien du tout pour nous. Donc, c'est pas bullish. Et enfin, c'est pas bearish pour le dollar, donc c'est pas bullish pour les cryptos. Voilà, le SP500. Donc, on va peut-être aller zoomer un petit peu quand même. Hop, passer en weekly. On va peut-être enlever ça pour y voir plus clair. Hop là. Voilà, donc moi, mon scénario techniquement. Alors, je vais même dézoomer, quand même redézoomer pour vous montrer mon scénario global. C'est une grande 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, vous inquiétez pas, la 5, on n'est pas prêt de la voir venir. Hein. La 1 et la 3, elles ont duré plus de 50 ans. Donc, voilà, là, c'est juste, on est dû juste dans des sous-vagues. Mais c'était juste pour vous montrer le plan global. Donc, je pense qu'on est dans une première vague de cette grande vague jaune. Formé par une 1, 2, 3, 4, 5. Et quand on aura trouvé le haut de la 5, on aura fait une grande 1, on aura une grosse correction. Mais je ne pense pas qu'on soit encore dans cette grosse correction. Je pense qu'on est, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, tout simplement dans la vague 4 de cette sous-vague. Alors, je dis je pense parce que, bien évidemment, si on descend encore plus bas, on aura potentiellement fini, par exemple, comme ça. Bien que c'est pas privilégié. Et on aurait peut-être déjà fini cette vague-là. Et là, du coup, on devra corriger tout ça. Et là, effectivement, on pourrait avoir une très grosse chute, une très grosse correction. C'est pas ce que je privilégie. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on a fait une vague 1, une vague 2. Et vous voyez que la vague 2 est très faible. Donc, quand on a une vague 2 faible, on doit avoir une 4 forte. Et là, on a une 4 également faible. Donc, il y a peu de chance. C'est pour ça que ce scénario-là, que je privilégie, tout simplement, parce que là, on a bien une 4 forte, une 2 faible, une 4 forte. C'est exactement ce qu'on veut voir. Alors, techniquement, vous savez que la 4 ne doit pas manger le sommet de la 1. Ça veut dire que techniquement, ce scénario sera potentiellement invalidé si on casse ce niveau. Je dis bien potentiellement, tout simplement parce que regardez, on est dans une 1, 2, 3, 4, 5. On est dans une vague 5. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans une vague 5? C'est tout simplement une ending diagonale. Et dans les ending diagonales, qu'est-ce qui se passe? Et bien tout simplement, les 4 peuvent manger le sommet de la 1 et aller comme ça. Voilà. Et donc, retrouver ma deuxième zone de target. Vous savez que j'avais deux targets, donc celle-ci et celle-ci. Celle-ci était ma target principale. Tout simplement parce que celle d'en dessous va, alors hop, je vais revenir en arrière parce que voilà, va manger le sommet de la 1 et donc ce serait une ending diagonale, c'est pas ce que je favorisais. Mais pour l'instant, vous voyez qu'on a cassé donc ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'était ma target principale, parce que non seulement on avait le Fibo 0.618 de cette petite correction et en même temps le Fibo 0.382, vous voyez, c'est la ligne bleue ici, 0.382. De toute la dernière montée hein, à partir du choc du Covid. Donc ça faisait deux niveaux extrêmement importants. C'est pour ça que moi ici c'était ma target principale. On l'a cassé, mais c'est potentiellement, je dis bien juste potentiellement, un fake out. Parce que vous voyez qu'on l'a cassé, mais sur la bougie d'après, on l'a directement réintégré. Alors techniquement, quand c'est comme ça, c'est plutôt bullish. Donc il se pourrait, je dis bien il se pourrait, que la 4 soit finie là. Pourrait tout simplement parce que soit c'est un fake out, soit on est juste remonté pour combler le gap. Parce que comme vous pouvez le voir, on a un gap ici. Vous voyez qu'on a un gros gap qu'on a été comblé. Voilà, donc c'était aussi potentiellement juste un mouvement pour aller combler le gap. Et là, on va potentiellement rechuter. Voilà, donc c'est l'un ou l'autre des scénarios. On surveillera ça également attentivement. De toute façon, le dollar, c'est lui qui nous donnera la réponse. Quoi qu'il en soit, si par contre on continue à monter et on recasse les 4000 là, ce sera plutôt bullish et il faudra du coup s'attendre à au moins un gros rebond pour corriger bah, tout simplement toute la chute. Voilà, donc il faudra être attentif au 0.382 également. Vous voyez, c'est également le niveau, il y a la ligne blanche là, parce qu'on avait eu du travail ici. Hein. Alors c'est pas en weekly, ça se voyait en daily. Vous voyez, c'était un niveau daily. Hop, support, on casse, résistance. Hop, support. C'était un niveau important. Et en plus, c'est également maintenant le premier arrêt, donc le niveau le plus important. Donc, tant qu'on ne casse pas ce niveau, ce sera juste un rebond. Si on casse ce niveau,
on ira probablement rechercher la zone de rechargement et potentiellement on ne sera plus dans un simple rebond, mais dans une reprise de la tendance haussière. Donc, le Bitcoin, on va commencer par le Bitcoin CME. Pourquoi ? Parce que déjà, contrairement à ce que j'ai pu voir sur des vidéos d'autres youtubeurs qui disaient que du coup, on avait comblé le gap aux 18 000 $ parce qu'on était descendu au 17 000. Alors, il faut que je vous donne un autre graphique. Voilà, on est descendu aux 17 000 et quelques dollars. Et vu qu'on avait un gap aux 18 000 $, certaines personnes disent qu'on a comblé le gap. Et ben non. Ben non, parce que le gap se comble sur le graphique du contrat CME. Mais lorsqu'on est descendu aux 17 000 $, c'était un week-end. Et vous voyez bien que là, le plus bas, il est aux 19 600 $. Tout simplement parce qu'on n'est jamais descendu à 17 000 $. Vous voyez, le gap, il est là. Le gap, il est là. C'est celui-là. Alors, on va repasser en daily plutôt. Il se verra mieux. Le gap, c'est celui-là. Je vais vous le montrer, je vais vous zoomer. Hop, c'est celui-là qui est là, ici, le petit gap. Donc, il y a une ligne orange. Et vous voyez bien que la ligne orange, on ne l'a pas atteinte. On n'a pas comblé le gap, tout simplement. Voilà, parce que la chute a eu lieu un week-end. Et vous voyez qu'on est remonté très... Alors, on va se mettre en daily. Voilà, c'était là la chute aux 17 000 $. Et vous voyez bien que le jour d'après, donc ça devait être un samedi, et le dimanche, on est directement remonté. Donc quand le CME a rouvert, on était remonté aux 19 000 et la clôture du gap n'a jamais eu lieu sur le CME. Donc attention, le gap est toujours ouvert aux alentours des 18 375 $. Première chose. Deuxième chose, cette semaine, il n'y a pas de gap. Hein, comme vous voyez, il n'y a pas de gap. Troisième chose, pour l'instant... Et je dis bien, pour l'instant, on forme quelque chose qui pourrait s'apparenter à un rounding bottom. Voilà, c'est pour l'instant, parce que pour l'instant, rien n'est fait. Il faudrait recasser, je dirais, les plus hauts qu'ici, pour vraiment valider le rounding bottom. Pour l'instant, c'est juste une petite figure qui est en train de se dessiner. Et dernière chose, sur le CME, on a un niveau très important. Alors, vous voyez qu'on a une trendline, on est en weekly là, et je parle du RSI. On a une trendline. On a à peu près la même sur le Bitcoin non CME, mais moins propre. Là, elle est vraiment très propre. Vous voyez, une touchette ici, une touchette ici. Là, on l'a touché plusieurs fois. La dernière touchette ici, aux 48 000 $ avant la grosse chute. Et ensuite, on chute. Bon, donc trendline importante à surveiller. Mais on a également un deuxième niveau important. C'est environ les 42 sur les RSI. Pourquoi ? Vous voyez que là, hop, résistance, 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 résistance. Du coup, bim, on rechute. Vous voyez, là, c'était en 2018. Là, quand tout le monde disait c'est un gros support, ça va tenir, on va aller, faut acheter, on va aller to the moon. Eh bien, si vous le regardez le RSI, vous aurez compris que c'est pas un support, mais c'est une résistance. Voilà. Si on avait réussi à clôturer au-dessus et à s'installer au-dessus et à retester en tant que support, ok, mais là, c'était juste une résistance. Et du coup, on n'a pas réussi à passer. On a eu quoi ? Boum, 3 000 $. Ensuite, on a remonté et là, à partir du moment où on a cassé, donc ici, eh bien là, on a pu avoir une belle tendance haussière. Quand on a rechuté ici, bim, support, bon moment pour acheter. Donc vous voyez, ici et ici, c'était bon moment pour acheter. On a effectivement rebondi, un joli rebond quand même. On est passé quand même de 6 000, enfin un peu moins, ouais, 6 400 jusqu'à 10 800 $. Donc c'est quand même un rebond assez important. Mais ensuite, il y a eu quoi ? Ben, tout simplement le choc du Covid. Donc bim, on est revenu retester. Vu qu'il y a eu une grosse chute très brutale, on est venu faire un petit fake out et on est repassé au-dessus. Donc encore une fois, quand on est repassé au-dessus là, c'était un bon moment. Et il s'est passé quoi après ? Eh bien, le bull run que vous savez par la suite. Voilà. Ensuite, l'été dernier, on est venu faire quoi ? Une grosse correction. Encore une fois, on est revenu chercher ce niveau. Et ce niveau a tenu. Alors si on aurait craqué, on aurait pu s'inquiéter, mais ce n'était pas le cas. Et ça entraînait quoi ? Un nouveau rebond, un nouvel ATH. Donc encore une fois, ce niveau est très pertinent. Là, dernièrement, quand on était aux alentours des 36 000 $, il s'est passé quoi ? Encore une fois, on est venu tester ce niveau à plusieurs reprises. Ça a entraîné, il a tenu, ça a entraîné un gros rebond. Le rebond jusqu'au, donc qui est des 32 000 $ jusqu'aux 48 000 $. Bon, là, on s'est pris la trendline, on a rechuté, on est revenu tester rapidement une dernière fois ce niveau et il a cassé. Donc, il a cassé, forcément, c'est le gros niveau, c'est ce qui nous dit que ça va lâcher. C'est ce que ça a fait. Et là, maintenant, on est en dessous. Donc, lorsqu'on repassera au-dessus, ce sera extrêmement bullish. Sans compter que, alors tout dépend du timing, mais si jamais on devait
Alors, on peut descendre avant, hein, mais si jamais on devait remonter comme ceci, regardez ce qui arriverait. On viendrait affronter, donc déjà, ça ferait une très grosse résistance, et la trendline baissière, et ce niveau, on va dire, c'est un peu le niveau du bear market et du bull run, quoi. Et il faudra être très prudent, parce que ça pourrait entraîner, du coup, une rechute, une nouvelle jambe baissière, mais si on arrive à casser ces deux niveaux, ce sera extrêmement bullish parce qu'on cassera également la trendline baissière qui date quand même du mois de mars 2021 et ce niveau très important qui, vous voyez, qui délimite un peu les tendances baissières et les tendances haussières. Donc ça, faudra le surveiller très attentivement. Voilà, j'ai fini pour le Bitcoin CME. Sinon, le Bitcoin classique, donc là c'est le graphique de Binance, bah, il s'est tout simplement rien passé depuis la dernière vidéo. On est toujours en train de consolider aux alentours des 20 000 dollars. On avait, surtout en petit time frame, une petite trendline. Voilà, on a eu une cassure de la trendline. Du coup, c'était pas un fake, on n'a pas fait un fake out court terme pour piéger tout le monde. Mais on n'est pas parti à la hausse. On a tout simplement été plus ou moins tout droit. Alors, on est au-dessus de cette trendline. Si, bien entendu, on vient recasser à la baisse cette trendline, il faudra s'attendre. Ah, première solution, si on a un bottom ici, donc là vous savez qu'on est dans une première vague haussière et qu'on doit avoir une vague 2, donc la vague 2, bien évidemment, de temps en temps elle va rechercher, surtout quand c'est très bullish, que les 0.38.2 ou les 0.5 comme ici, mais sinon on pourrait aller chercher les 0.61.8 et les 0.78.6. j'ai quand même vérifié que le Fibo est pas en log, non c'est bon, donc on pourrait aller chercher grosso modo ce niveau là si je dis bien on a trouvé un bottom, donc vague 1, vague 2, d'ailleurs la vague 1 qui s'est probablement terminée ici, et là on a peut-être en train de faire une sorte de flat en ABC. Bon bref, on pourrait aller rechercher ce niveau là pour finir la vague 2 et ensuite avoir la vague 3, 4, 5 et continuer à monter, ou c'est aussi potentiellement une ABC, donc là on aurait fait une A ou une WXY, ABC, là on rechute pour faire la W X et on aura une Y, donc un rebond, mais ensuite une nouvelle jambe baissière, ou soit tout simplement on va aller directement casser cela et avoir la dernière jambe baissière. Moi personnellement, je préférais que on ait un rebond avant ou qu'on traîne pour vraiment avoir. Alors là, je vais peut-être aller chercher l'autre graphique. Est-ce que c'est celui-là en weekly? Non, c'est pas celui-là, peut-être celui-là. Non plus. Ok, j'ai plus mon graphique. C'est bien dommage. Donc on va rester sur celui-là, c'est pas grave. Comme vous le savez, moi ce que j'aimerais bien voir, c'est on a fait en weekly 1, une vague 1, une vague 2, une vague 3. J'aurais bien aimé voir une 4. Mais pour voir une 4 en weekly, eh bien il faut qu'il se passe quelque chose. Donc soit on peut avoir une consolidation sur le temps. Donc on peut rester aux alentours de 20 000 dollars, mais traîner assez longtemps. Et que le RSI lui par contre remonte pour avoir une vague qui se dessine sur le RSI, et ensuite une dernière vague baissière, faire un nouveau plus bas, par contre ne pas faire un nouveau plus bas sur le RSI, faire une divergence haussière weekly et nos 5 vagues. Pourquoi les 5 vagues? Tout simplement parce que moi mon scénario c'est qu'on est dans une A, B, C en flat, donc 1, 2, 3 vagues baissières, 1, 2, 3 vagues haussières, et une flat se termine par 5 vagues baissières. Donc en weekly pour l'instant on ne voit pas que 5 vagues, on ne voit que 3 vagues, donc j'aimerais bien qu'une belle vague 4 se dessine et ensuite une 5. Après, comme je vous ai déjà dit, si on prend en 3 jours, on a déjà 1, 2, 3, 4 et 5. On peut le voir aussi sur le RSI, 1, 2, 3, 4 et 5. Mais ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas la divergence sur la vague 5. Voilà, c'est ça qui me dérange. C'est pour ça que du coup, vu que je n'ai pas la divergence sur la vague 5, ce n'est pas le scénario que je privilégie. Je privilégie du coup plutôt qu'il faut que, vu que cette figure est dure depuis assez longtemps, et qu'on voit en weekly, vous voyez là, clairement, sur la montée, on voit très bien 1, 2, 3 vagues haussières. Donc, j'aurais préféré que du coup, les 5 vagues, on les voit également en weekly. Donc, 1, 2, 3, là, j'attends une 4, et ensuite une 5. D'ailleurs, la 5 n'est même pas obligée d'aller faire un nouveau plus bas. Si on fait un gros rebond, on pourrait très bien aller faire un double bottom, par exemple, ou même s'arrêter un peu plus haut. Ce serait une 5 tronquée. Voilà, mais au moins qu'on ait des vagues qui se dessinent. Ensuite, par rapport à ce graphique-là, donc oui, court terme, rien de nouveau, hein, c'est en train de faire, alors exactement comme ici, soit une
accumulation, soit une redistribution. Là, comme je vous avais dit, moi, je voyais beaucoup plus une redistribution, donc je m'attendais à une nouvelle vague baissière. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas assez pour dire si on est dans une accumulation, une redistribution. Il faut attendre un peu que quelque chose se dessine. Là, on a juste fait trois petites vagues. Vous voyez, si vous regardez là, on a fait trois petites vagues, 1, 2, 3. On a que dalle. Donc, on ne sait pas encore si on est dans un mouvement haussier ou dans un petit mouvement correctif. Quoi qu'il en soit, à la hausse, si on devait avoir un rebond, juste un rebond par exemple, avant d'aller plus bas, si on devait avoir ce fameux rebond et non pas corrigé en mode tout droit, eh bien, les premiers niveaux à regarder, le tout premier niveau à regarder, bien évidemment, c'est le niveau 0.38.2. Donc, c'est celui-là, les 23 200 $. Et ensuite, il y aura la zone de rechargement de short ici, vous voyez. Hop, je vais vous mettre un autre petit rectangle, ça va faire beaucoup de rectangles. Donc ici, voilà. Je vais enlever celui-là en dessous parce que derrière, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait là. Et celui-là, je vais le mettre en rouge. Voilà, donc 0.38.2 aux 23 200 $. Et si bien entendu, on casse les 0.38.2 qui correspondent à peu près, vous voyez, au niveau au plus haut qu'il y a ici, quoi, la petite résistance qu'il y a ici, et bien direction zone de rechargement de short qui correspond à quoi? C'est tout simplement notre énorme résistance ici aux alentours des 27 à 30 000 dollars. C'est tout simplement le bas de notre canal qui a été cassé. Donc ça a joué support pendant de décembre 2020 à juin 2022. Donc plus de deux ans, pendant deux ans et demi, ça a joué support. Donc vous devez bien prendre conscience que maintenant c'est juste une énorme résistance. Donc on a la zone de rechargement de short cumulée à cette grosse résistance. Déjà d'une, ça va avoir énormément de mal à passer. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes que si jamais ça arrive, hein, donc d'abord il faut casser les 0.38.2 comme je vous ai dit, qui en profiteront pour sortir voilà, de leur position. Et ensuite, voilà, bah, si ça casse ici, déjà c'est plutôt bullish. Surtout, alors je ne parle pas en 4 heures ou en daily, mais si en weekly on commence à avoir des clôtures reclôturer au-dessus de ces niveaux, c'est extrêmement bullish. Et là, les niveaux à surveiller, eh bien, on a la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier, tout ce mouvement baissier, qui est, alors je vais bien revoir pour voir si elle est bonne. Encore une fois, elle n'est pas bonne. La dernière fois, j'avais dû mettre mon Fibo en log, c'est pour ça que c'est décalé. Voilà, donc qui se trouve du coup ici. On verra après les chiffres. Et la dernière, bien sûr, donc c'est de tout le mouvement baissier. Et encore une fois, donc va falloir, vu que la dernière fois, j'avais du mal placé à cause du... Elle est aussi décalée, voilà. Hop. Faut que je la replace également. Donc celle-là, on va pas s'en occuper, hein, parce qu'il y a énormément de chemin avant. Mais voilà, l'intermédiaire, voilà. Donc, en gros, si on recasse ce niveau, la prochaine zone à surveiller, c'est tout simplement celle-là. Donc entre les 36 000 et les 41 000 dollars. Vous pouvez même pousser jusqu'aux 43 000 dollars parce qu'on a également la médiane du canal, vous voyez, qui est extrêmement importante, qui a fait résistance ici, support ici, ensuite résistance, résistance, support, 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 petit fake out, hop, ensuite support, support, résistance, 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 petit fake out, hop, encore une fois, résistance. Donc, vous voyez, extrêmement important. Donc d'ailleurs, voilà. Donc si on casse ce niveau-là, ce sera vers ces niveaux-là qu'il faut viser. Mais on n'y est pas encore. Voilà, maintenant du coup, on va pouvoir passer au graphique plus long terme. Donc, on va juste répéter ce qu'on a vu dans les dernières vidéos. On a notre canal long terme, vous voyez, en bleu, avec la médiane en jaune. On est venu casser le canal, hein, mais c'est pour l'instant juste une mèche. Donc, rien de bien inquiétant. Pour l'instant, on pourrait apparenter ça à un petit fake out. On a également pas cassé le bas du rectangle, donc c'est-à-dire les FIBO 0.38.2 en logarithmique de toute la hausse, chose qu'on n'a jamais faite de par le passé. Vous voyez que tous les précédents bottoms se sont faits dans le rectangle vert. Le rectangle vert, je rappelle, alors je vais vous le montrer pour ceux qui n'ont pas vu une des vidéos depuis un an, parce que je vous montre ça depuis plus d'un an. Hop! Voilà, vous voyez, on prend un bottom de marché, un top, on place un FIBO en logarithmique. Alors, je rappelle, logarithmique, c'est simple. Hein. Vous cliquez sur le paramètre et vous allez tout en bas. Et vous mettez en logarithmique. Moi, quand c'est des grands mouvements comme ça sur du plutôt long terme, je le mets toujours en logarithmique. Et donc, mon rectangle correspond au FIBO 0.236 à 0.38.2.
Et j'ai fait ça pour chaque bottom. Vous voyez qu'à chaque fois, on termine dedans. C'est pour ça que ici, de base, c'était, enfin surtout vers les 0,38,2 cumulés au bas du canal, vers les 21-22 000 $, mon objectif principal. Mais depuis un ou deux mois, il y avait énormément de monde qui regardait ce niveau. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? C'était que moi, vu que ce niveau maintenant est attendu, ça n'en fait plus ma target principale. Donc, soit on ne va pas l'atteindre, soit tout simplement, on va le casser. On ne s'arrêtera pas non plus aux 20 000 $ parce que c'est également un niveau beaucoup trop regardé. Et voilà, donc sans grande surprise, du moins pour ma part, on est parti rechercher plus bas. Voilà. Donc pour l'instant, on est revenu chercher les 17 000 $. Donc est-ce que c'est suffisant? Voilà, on a cassé le niveau attendu, le deuxième niveau attendu. Tout le monde a eu très 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 peur. Et est-ce que c'est suffisant? Bon, l'avenir nous le dira. Sinon, si on doit avoir une nouvelle jambe baissière, vous savez que moi, ma target principale, c'est ici, dans ce petit rectangle vert. Pourquoi? Bah, non seulement ça correspond à un retracement d'environ 79-80%, donc qui suivrait ce qu'on a fait depuis à chaque bear market, c'est-à-dire que on a des corrections de plus en plus petites, mais voilà, très légères. Et si on s'en tient à ces chiffres, eh bien, ce coup-ci, on devrait avoir une correction aux alentours des 80%. Et ça nous mènerait aux alentours des 14-15 000 $. Niveau extrêmement important, vous savez, c'est le niveau mensuel, les clôtures mensuelles. On va s'enlever le graphique, hop là. Ouais, vous voyez, c'est la clôture mensuelle du dernier bull run. Et également le top qu'on a eu ici. Vous voyez, donc 13 800 $, en rendissant à 14 000 $, niveau très important. Et pour finir, on a également graphiquement un niveau important. On va plutôt passer en weekly du coup. Ici, vous voyez là, hop, résistance, 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 hop, support, 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 résistance, résistance, support, résistance, hop, on décolle. Donc c'est une petite zone assez importante qui est entre les 9 000 et les 12 000 $. Je regarde notamment les 12 000 $. Pour moi, théoriquement, c'est ma target la plus basse, mais effectivement, on pourrait peut-être aller un peu, même si c'est pas ce que je privilégie, plus bas pour aller, pourquoi pas chercher les 9 000 $. Mais voilà, moi, si je devais parier maintenant, je pense pas qu'on irait en dessous des 12 000 $. Mais c'est toujours possible, du moins pas en clôture. Une mèche possible, mais pas en clôture. Les 12 000 $, pourquoi? Parce que c'est tout simplement... Alors, c'est pas ça que je voulais mettre. On se met un volume profile. On va s'enlever ça. Vous pouvez voir qu'on a un trou immense là dans le volume profile. On n'a aucun support, tout simplement parce qu'on n'a pas travaillé le prix ici. On a décollé, on n'a pas travaillé les volumes des prix dans cette zone. Et que le premier support qu'on a, bah, c'est tout simplement ici. Voilà, et ça se situe aux 12 200 $. Donc là, il y a un support intéressant. Et vous voyez, si vous prolongez, hop, c'est ici. Ouais, c'est le dernier, donc, et à peu près ici, si on enlève les mèches. Donc, niveau très important. Mais effectivement, on pourrait aller sur le plus gros support qui se trouve ici. Et regardez où il se trouve, aux 9 000 $. Voilà, donc on pourrait effectivement aller rechercher également ici. Maintenant, hop, un petit tour sur le Total Market Cap 2. Donc, c'est quoi le Total Market Cap 2? C'est tout simplement l'ensemble des cryptos, mais sans le Bitcoin. Donc, vous l'aurez compris, c'est tous les altcoins. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce graphique? On avait une trendline long terme en bleu qui a commencé en 2015. Et ce que je vous avais dit, c'est que lorsqu'on va la casser, il y aura une grosse chute. Il n'y a pas à discuter. La trendline est dure depuis 7 ans. Quand on la casse, ça, forcément, ça donnera lieu à une grosse chute. Et eh bien, c'est ce qui s'est passé. Le moment où on l'a cassé, on a là fait une petite tentative, vous voyez, de réincursion, mais c'est juste une mèche, donc, et on est reparti. Du coup, on a chuté de... ...60%, vous voyez. Forcément, casser une trendline qui dure depuis un nombre d'années aussi important, ça nous donne forcément une grosse chute derrière. Ensuite, on avait quoi? On avait une petite trendline ici et un niveau de support intéressant, vous voyez, ici, 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 ici. Mais bien évidemment, comme on a cassé la grosse trendline, eh bien, ce support n'a absolument pas tenu, on l'a percé comme dans du beurre pour revenir chercher le support un peu plus important. Ici, c'était tout simplement les bottoms de l'été dernier. Vous voyez, triple bottom de l'été dernier.
On est revenu, ça nous a fait un petit rebond. On est revenu le tester, mais il n'a pas tenu non plus. Et on est venu rechercher quoi ? Une de mes targets principales, c'est-à-dire la ligne rouge qui est ici. C'est tout simplement le top du dernier bull market, ce qui correspond à peu de choses près aux 20 000 dollars du Bitcoin. Alors, moi, c'était une de mes targets principales, mais pas à ce niveau-là, tout simplement parce que moi, j'aurais bien aimé plutôt. Elle aurait été ma target principale si on l'aurait atteint plutôt au mois d'août. Pourquoi ? Parce que on aurait eu un cumul entre la ligne rouge et la trend line blanche. C'est quoi la trend line blanche que vous voyez là ? C'est tout simplement cette petite trend line. Alors, ce n'est pas une trend line qui marque les bottoms ou les tops. C'est une trend line vraiment intermédiaire. C'est de ma propre création, tout simplement parce que là, vous voyez, on touche là, on touche là. Ici, pareil, on travaille également. Et là, on revient pile le toucher. Donc, je trouve que c'est une trend line intéressante. Je vous l'avais montré déjà il y a bien longtemps. Et genre on était vers là et je vous avais dit que si on cassait là, moi ce serait, si on devait vraiment avoir une grosse chute, une de mes cibles principales, si on venait avec le bon timing, taper justement en même temps ces deux niveaux. Voilà. Si ça doit casser, et bien juste en dessous, on a le niveau, le... Alors ça c'est tout simplement exactement comme sur le Bitcoin. Hein. On a mis, hop, un Fibo. Sauf que vu que c'est des altcoins et c'est plus volatile, on favorise pas les 0.236 au 38.2, mais on favorise les 0.382 au 0.5. Voilà. Donc si ce niveau ne tenait pas, alors il y a plusieurs possibilités. Si jamais on avait un petit rebond, par exemple pour aller rechercher comme sur le Bitcoin le gros niveau de résistance ici, et ensuite une nouvelle jambe baissière. Comme je vous ai dit, on n'est pas obligé d'aller plus bas. On pourrait faire un double bottom. Et le double bottom en plus pourrait tomber. Je retrouve plus mon pinceau. Si jamais on devait avoir un rebond qui part pour tester par exemple ce gros support, ce grosse résistance et en même temps la trend line, vous voyez, et on pourrait, alors bon, c'est mal dessiné, mais on pourrait retomber justement parfaitement sur ce niveau et finir en double bottom sur ce que j'attendais moi, mon double gros support. Voilà. Et si on doit aller un peu plus bas, on pourrait aller chercher juste un peu plus bas pour faire un petit fake out et aller chercher au 399, et bien parfaitement les 0.382. Et par contre, en cas de vraiment gros chute, donc au cas où le Bitcoin irait rechercher les 12 ou 9 000 dollars, effectivement, on pourrait aller rechercher ce niveau-là au niveau aux alentours des 250, tout simplement le Fibo 0.5, qui correspond également, regardez si on prolonge, à... alors je vais vous mettre une ligne, ça sera plus simple. Hop, on va s'enlever ça. Voilà, qui correspond, vous voyez, à ce sommet, vous voyez ici. Bim, la résistance, résistance. Donc, niveau également important. Donc, vraiment, en cas de gros chute, comme je vous dis, si le Bitcoin devait aller très bas, on pourrait aller rechercher ce niveau-là autour des altcoins. C'est-à-dire, grosso modo, c'est une grosse chute, hein, parce qu'on reperdrait encore 40%, grosso modo, sur les altcoins. Voilà, et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Vous inquiétez pas, je vais vous refaire une vidéo soit demain, soit après-demain. Non, après-demain, pas possible. Donc, soit demain, soit jeudi. Et pour voilà, complémenter, vous dire tout ce que j'ai pas pu vous dire aujourd'hui parce que j'avais encore pas mal de choses dans mon sac. Mais je veux pas que les vidéos durent trop longtemps parce qu'il y a des personnes qui sont découragées quand les vidéos durent plus de 30 minutes. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Tchuss.